Bonjour, je suis Karim de l'équipe Boost My PC. Au sein d'Asus, on s'est confié une mission, éradiquer les PC les plus pourris que l'on puisse trouver. Aujourd'hui, c'est Amaury qui a été sélectionné, il habite à Lyon, et on va tout de suite débarquer chez lui pour récupérer son vieux PC et en faire un monstre. Amaury, prépare-toi, on arrive. On est maintenant chez Amaury, on va aller sonner à son interphone et en espérant que ce soit sa mère qui réponde pour qu'on puisse lui faire la surprise. C'est parti, on va essayer de trouver son nom. Oui. Oui, madame Français. Oui. Bonjour, c'est l'équipe Boost My PC. Ah oui, bonjour. Oui, merci. Je vous ouvre au troisième étage à droite. Ok, merci, à tout de suite. Donc là, on va lui faire la surprise à Amaury. En espérant qu'il ne va pas arriver et qu'on puisse le surprendre en train de faire autre chose. Bonjour, c'est bonjour, madame. Il n'y a pas de chien déjà. Bonjour, madame Français. Est-ce qu'elle mourit? Oui, déjà. Amaury? Bonjour. Bonjour. Je suis Karine de l'équipe Boost My PC. Tu sais pourquoi on est là? Oui. Bon, ça va? Tu t'attendais à ce qu'on débarque ou... Non, j'étais en train de sortir ma guitare et l'interphone il a sonné. Bon, ouais, parfait, ça va? Pas trop surpris? Un peu quand même. Bon, ouais, ça va être cool. Bon, donc on débarque aujourd'hui pour s'occuper de ton PC. Et on va aller voir la bête tout de suite et comment ça va passer. Ok. Alors, je m'appelle Amaury Français. J'ai 17 ans, bientôt 18, et j'habite à Lyon, j'y ai toujours vécu et je suis en fac de musique et musicologie à Lyon 2 où j'apprends ce qui me permettra, j'espère, de pouvoir faire un compositeur dans les musiques de jeux vidéo, ce qui est mon but. Alors Boost My PC, j'ai découvert parce qu'il y a un pote qui m'a présenté le site en me disant ouais, il faudrait que tu t'inscrives ta vieille bécane. Puis je me suis dit pourquoi pas, j'ai fait une vidéo et puis je l'ai présentée, surtout pour m'amuser en fait. Alors franchement, je pensais pas être sélectionné, j'ai mis ma vidéo comme ça, il y en a qui l'a trouvé drôle. Et puis voilà quoi, franchement, je pensais pas avoir plus de chance que les autres. Ce que j'attends de mon nouveau PC, bah, au moins de pouvoir composer comme je veux, avec des logiciels qui fonctionnent, qui rament pas trop, et aussi de pouvoir jouer au dernier jeu, parce que j'ai quand même un sacré retard dans les jeux vidéo. Et bah, je compte sur vous pour faire de ma bête un véritable monstre. Donc on est avec Amaury et son fameux PC de la mort qui tue. Et je vois qu'il se surnomme la bête. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et bah, écoute, à force avec mes deux sœurs, à force de jouer et d'être sur cette chose, on a découvert qu'il avait une vie propre. Donc on a décidé de l'appeler la bête. Ok, d'accord. Donc en gros, il a son propre surnom, quoi. Et le boîtier, tu l'as acheté directement comme ça ou... Oh. Ok, pour éviter de toucher. C'est normal que la plaque tombe toute seule? C'est évident. Hein. La bête, elle est en train un peu de mourir. Elle perd un peu des morceaux de son corps. Bon, on va arrêter d'y toucher, on va la démarrer directement et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Hein. Ouais. Et voilà, le bouton est resté enfoncé. Ça arrive des fois. Normalement, il faut taper sur le côté. C'est pas possible. Donc là, je vois que ton fond d'écran, c'est une espèce de comète ultra rapide de l'espace. C'est un truc hyper speed, alors que ton PC, c'est... Oui, c'est un peu c'est une sorte de paradoxe entre la lenteur et le fond d'écran. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser charger, prendre son temps tranquillement. Nous, on va aller se promener un peu. Et on revient quand tout est mis chargé pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Ok? Ouais. Ok. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu que le PC démarre et on a lancé iTunes aussi il y a 2-3 jours pour que tout soit prêt. On ne voulait pas vous faire attendre trop longtemps. Et donc, il y a un gros bug avec la musique. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? Eh ben, en gros, c'est l'ordinateur qui, toutes les secondes à peu près, rame. Ce qui fait que ça fait des coupures en plein milieu de la musique, tout simplement. Donc t'as des saccades à chaque fois? Exactement, toutes les secondes à peu près. Donc en gros, t'es un peu comme un DJ, quoi. Par exactement. Exemple, si tu veux acheter des saccades, tu bouges un peu ta exactement. Souris. Et David Guetta, ça te dirait pas de le clasher un petit peu hein? Ouais, je pourrais, hein, c'est pas... Avec une souris... Donc voilà, quand tu bouges la souris,
ça plante, ça bug et ça nous donne un petit peu de mix dans le. Exactement, dans c'est très intéressant. Enfin, on voit ça comme on veut. Hein. Je pense que les fans de métal vont nous assassiner si on entend ça. Alors là, on est avec Amaury, on va faire un petit tour d'horizon des jeux auxquels il joue. Bon, je suis désolé, je suis un peu penché vers l'avant, mais une hauteur de plafond qui est assez basse pour moi. Asterix et Obélix contre César. Playmobil. Ah mais celui-là, quand j'étais gamin, je l'adorais. Hein. Quoi. Des jeux qui sont bien, Rayman 3. Voilà. Je me sers, mais il y a un truc qui me... Je comprends pas, Skyrim. Qu'est-ce que ça fait là? Bah écoute, hein, il s'installera jamais sur l'ordi. Le CD, il le reconnaît, mais après, il veut même pas s'installer. Donc Amaury, il est sympa, il achète des jeux dernière génération, mais pour pas y jouer, juste pour regarder la voilà. Pochette. Il ouais, y a le poster que j'ai mis là-bas, au moins c'est un intérêt. Quoi. Ah ouais. Cher le poster. Ouais. Ok. D'épiloguer sur le pedigree de cette bête, on va cacher un peu tout ça. Moi je la prends avec moi, on va booster cette machine et c'est parti. Allez. Allez, on va s'occuper de toi, mon petit. Bon, on est enfin arrivé chez notre spécialiste. On va s'occuper de cette bête et on va lui donner une seconde vie. Amaury, je t'avais dit qu'on allait avoir des spécialistes qui s'occuperaient de ta machine. Je suis avec Seng, salut Seng. Salut Karim. Qui est responsable de la boutique Absolute PC à Paris. Et on va s'occuper de ta machine avec Seng. Comme tu peux voir, c'est une vraie tuerie cette machine, juste de l'extérieur déjà. Oui, effectivement, c'est une tuerie. Hein. Je veux la même à la maison. Seng, prépare-toi, tu vas saigner des yeux. Ce que tu vas voir là-dedans, là, c'est les dernières technologies qui sont sorties. Seng, t'es prêt? Il y aura un avant et un après. Voilà la bête. Donc, je retire la plaque en fonte. Et comme tu peux voir, bah, c'est que du dernier cri. Effectivement, il y a de quoi saigner des yeux. Hein. Donc, est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant dedans, quelque chose qu'on pourrait garder? Là, de toute façon, tout ce qui est IDE, c'est pas possible. Ça, c'est la poubelle. À l'arrière, le disque dur SATA, ça, on peut le garder. Puis après, tout le reste, la poubelle, quoi. Hein. Ouais, rien, donc pas rien garder. Alors que le disque dur à la rigueur, sinon. Amaury, t'as un objet préhistorique là avec toi. Et on va repartir de zéro et on va lui refaire quelque chose de sympa. Seng, pour Amaury, faut savoir que c'est un joueur, c'est un gros gamer. Il voudrait jouer à beaucoup de jeux puissants, en particulier des RPG. Et surtout, c'est un fan de musique. Son père est prof de guitare, lui, il est guitariste. Et son rêve, ce serait d'être compositeur de musique pour les jeux vidéo. Est-ce que tu as une idée, du coup, de ce qu'on peut lui préparer comme monstre, comme vrai monstre? Alors, j'ai ma petite idée. On va lui mettre une Asus Rampage 4 Extreme avec le dernier processeur i7 3930K. Ensuite, en carte graphique, on va lui mettre deux GTX 580. Et pour la partie musique, une essence STX, voilà. Et pour le boîtier, ben, pour accueillir tout ça, on va lui mettre le dernier cri boîtier ultime de chez Cooler Master, le Cosmos 2. Ok, ça me l'air plutôt pas mal comme plan. Donc, Amaury, on va passer nous aux choses sérieuses. Et pour ton boîtier, dis-lui bye bye. Donc Amaury, je suis Tan de Cooler Master. Et donc, on tenait à participer à cet événement avec toi. Tu vas recevoir, en fait, ta configuration va être montée dans le tout dernier boîtier Cooler Master. Donc le Cosmos 2 qu'on a développé depuis 4 ans et tu seras le premier en France à avoir une configuration montée à l'intérieur. Et maintenant, profite de ta machine à fond. No, y'all ain't even the doo-doo. I got more flavor on the tissue paper under my two boots. So I'm slapping you foolish with wooden paddles, you stupid. Babysitting little bastards like no afternoon children. You could call me psychotic, but it's more like schizophrenic. And I can't sleep. Could anyone tell me just when my...
Amaury, on a terminé de faire nos emplettes pour ta configuration. Et voilà tout ce qu'on t'a sélectionné. Et tous ces produits qui sont là iront là-dedans, dans ta config, juste pour toi. Et maintenant, on va passer au montage. Donc, Amaury, pour te préparer une config hyper musclée, on t'a prévu le must des cartes graphiques mono GPU, les 580 Direct CU2. Ce sont des cartes graphiques hyper puissantes qui peuvent te permettre de jouer à n'importe quel jeu. Et nous, on a décidé d'aller plus loin en en mettant deux. Et surtout, d'inclure un refroidissement à eau. Ce qui va nous donner une carte graphique comme ceci, avec un waterblock dans lequel on aura un circuit d'eau qui viendra le refroidir pour des performances maximales et un silence absolu. En plus de tout ça, en plus de tous les composants qu'on a là, on a aussi prévu pour toi la carte mère Rampage 4 Extreme. Donc c'est la carte mère la plus puissante du moment pour coordonner tous les composants de ton PC. Et comme tu peux le voir, le refroidissement du processeur, donc un processeur Intel 3930K, le processeur sera lui aussi refroidi à eau avec le waterblock du CPU. Et vu que tu es fan de musique et que c'est ta passion, on a décidé de t'intégrer une carte son Xonar Essence STX. C'est la carte son des mélomanes. Avec celle-là, tu pourras vraiment profiter de ta musique, faire tous les montages que tu veux, toutes tes compositions que tu veux et assouvir tes passions. Pour alimenter ton PC hyper puissant, on a décidé d'y intégrer une alimentation Cooler Master 1200 watts. Mais comme tu peux le voir, c'est une alimentation classique et nous, on a décidé d'aller plus loin en la customisant en couleur de rogue. Et ça nous donne ceci. Donc, ton alimentation 1200 watts et toutes les gaines ont été refaites une à une par les pros de la boutique Absolute PC. Et maintenant que tu sais tous les composants que tu as choisis, on va directement passer au montage. Amaury, on a terminé ta config et maintenant il va être temps de la tester pour voir si tout fonctionne impeccablement. C'est parti, lunettes 3D, casque stéréo. On vient de tester la machine. Elle est super, tout tourne nickel, donc maintenant on va attendre Amaury, il arrive dans 5 minutes. On a juste le temps de la préparer et de la masquer avant qu'il arrive. Donc, je vais te présenter Seng, okay. Qui est le responsable de la boutique Absolute PC. Salut Amaury. Salut. C'est tous éclatés à faire le tour. Ouais. Donc on va pas trop discuter, je pense. On va directement aller dans le vif du sujet. Je pense que c'est ça qui t'intéresse. Ouais. On va aller voir la machine tout de suite. Donc c'est bon, t'es prêt? On va directement attaquer. Le vif du sujet avec ta machine. T'es prêt? Non. Un, non. Deux, trois. Wow. Donc voilà ta nouvelle machine boostée. Wow. Donc ça va changer de la bête. Ouais. Tu pourras l'appeler le monstre si tu voilà, veux. Voilà. Est-ce que tu t'attendais à avoir ce genre de machine? C'est gros. C'est énorme. Tu m'as l'air un peu surpris. Oui. Bon, bah, c'est cool. Tu veux qu'on fasse le tour du propriétaire? Du propriétaire, c'est qui le propriétaire? C'est toi maintenant. Bon, alors on va regarder ça tout de suite. Ok. Donc au niveau de ton PC, là, ce qu'on t'a mis, c'est le must de ce qui se fait pour les gamers. Et aussi, on a pensé à toi pour la carte son. Tu verras ça juste après. Donc le boîtier, c'est le Cosmo S2. C'est le premier exemplaire qui a été livré en France. Il était spécialement pour toi Ah ouais. Par Color Master.
Ah ouais. Grosse, grosse nouveauté. Tranquille. Voilà, un écran 3D 27 pouces avec les lunettes pour pouvoir profiter de jeux, de films, de photos en 3D. Tous les accessoires du gamer, donc le casque, c'est vachement important pour toi, je pense, en tant que musicien. Il est beau. Donc c'est un casque que tu pourras utiliser pour jouer, pour écouter de la musique, mais surtout pour chatter aussi avec tes potes sur les... J'entends plus rien, ouais, c'est voilà. Trop bien. Parfait. En fait, il y a une mousse qui empêche d'entendre le côté. C'est la classe absolue. Une souris, gameuse, pareil, ouais. Et un clavier pour les gamers. Mais ça, c'est juste la première partie et on va voir ce qu'il y a dans le boîtier. Dans le monstre. Je crois que je vais écrire le monstre dessus. Donc maintenant, l'intérieur du boîtier. Donc la porte s'ouvre hyper facilement. Ah ouais. Ouh. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais. Ah ouais. Là où on a vraiment pensé à toi pour ta passion de musique et de vouloir développer, de créer tes propres musiques pour le jeu vidéo, c'est cette carte son, la carte son Xonar Essence, qui va te permettre de composer tes musiques, de pouvoir les avoir en très très bonne qualité et de pouvoir en profiter pleinement. Donc ça, c'est ta machine. C'est peut-être temps de l'essayer, non? Ça te dit? C'est une idée. Allez, on va l'essayer. On va voir ce que... La musique, c'est énorme! C'est énorme! Bon, ça fait 5 fois que je suis à la même scène parce que je meurs tout le temps, mais c'est trop bien! Voilà, la première fois que je teste la 3D sur écran, c'est en HD, sur un écran qui sera bientôt à moi, j'y arrive même pas à le croire. Si je suis content de... c'est une drôle de question, hein. Sérieusement, je m'attendais vraiment pas à un truc aussi monstrueux que ça. Est-ce que je pensais qu'on ferait une machine aussi puissante en si peu de temps? Alors c'est vrai que quand on y pense, en un jour et demi, faire un monstre pareil... Après j'ai vu celui de Quentin et je savais que ça serait pas forcément quelque chose de nul, mais de là à avoir un ordi spécialement avec surtout le water cooling, ben, je le répète, mais pour moi le silence, ouais, franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Donc un truc aussi puissant, non, je m'attendais vraiment pas à ça, non. Ben, pour l'utiliser, pas pour, même pour la musique, ça va être... énorme, avec la carte son qu'il va y avoir dedans, normalement je vais pouvoir composer sans aucun problème, écouter parfaitement ce que je fais, ça va être magique. Je vous ferai écouter ce que je ferai si je fais des belles compos. Rattraper mon retard au niveau des jeux vidéo. Bonne question, ça prendra du temps, mais j'y arriverai. Le clavier, il répond parfaitement. Après, bon, ça va, le clavier, ouais. La souris, alors franchement, la souris, entre le truc que j'avais avant, c'est un peu comme si la molette avant, elle tournait pas en fait. C'est, voilà, c'est la souris de luxe. Le casque, j'en parle même pas, c'est un truc de malade. Le micro, on dirait pas un micro, c'est on dirait un truc qui est venu de Tron, c'est tellement magique. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça, ouais. Alors la 3D, quand j'ai vu ça, quand j'ai mis les lunettes, on a l'impression d'être plongé dans le jeu, quoi. C'est inimaginable. J'avais jamais essayé et là, maintenant, je suis bluffé. Si un mot pour ceux qui voudraient participer, bah tentez le coup, hein, comme moi. Hein. J'ai participé comme ça pour le fun et finalement, regardez où je suis. Et Asus, bah je saurais jamais vous remercier assez, hein. Franchement, vous gérez. Ça, c'est son ancienne porte. Voilà. Si vous aussi, votre PC, vous faites la peine, faites comme Amaury, inscrivez-vous sur le site Boost My PC. Donc là, on va monter voir Jonathan. C'est pas Jonathan. Amaury. Donc là, on va monter voir Amaury. Bon, elle a déjà son surnom, la bête. Donc c'est ça, hein? Oui, ça, c'est un peu... Enfin, là, tu... là, t'abuses, en fait. Profite bien de ta machine. Ça va, ça? Donc, tu me comprends. Amaury, je suis Tan de Color Master. Donc, on va te... Putain, je m'appelle plus maintenant. J'ai resté sur la dernière note.
Yeah.